so hungry in my life. Eh oui, c'est bien d'être d'avoir faim quand on est déshydraté, c'est vraiment bien. Nous sommes de retour, cher journal. Aujourd'hui, j'étais en train de me demander quand, avant de commencer la vidéo, j'étais en train de me demander à quoi ressemble en fait ce genre de vidéo. Au final, ça ressemble plutôt à un moment où on se décontracte et vous m'écoutez parler et dire. Je suis en train de parler, arrête de me couper. Je suis en train de dire n'importe quoi et vous m'écoutez. C'est ce qui est plutôt cool. C'est un peu le moment décontracte en fait, je dirais, de la journée ou de la semaine, ça dépend. Mais aussi on peut le faire en sorte que c'est une sorte de journal de survie. Un truc qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre des notes. Je l'ai jamais fait, mais c'est vrai qu'on peut mettre à chaque fois des notes. Vous voyez qu'après on a le petit symbole et on peut regarder les notes à chaque fois. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ou alors il y a une carcasse à aller récupérer. Et c'est vrai que c'est utile. Ça peut être utile de faire ça. Et je sais pas pourquoi je pensais à ça. Ça peut être sympa, ça peut être une bonne technique de faire les choses. En tout cas, la dernière fois, nous avions bien avancé. Je me rappelle plus vraiment ce qu'on avait fait la dernière fois. Qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Alors on avait récupéré tout ce qu'il y avait sur l'ours. Il y a encore, je crois, 9 kilos de viande. Honnêtement, vu que ça se passe bien avec les parasites, bon, c'est bon. Enfin, je dis ça, c'est parce qu'on n'est pas tombé malade, en fait. Donc, c'est vrai que ça se passe bien, oui. Ça se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal, au final. Donc, je me suis dit, peut-être qu'on devrait aller récupérer le reste. On va voir s'il fait beau ou pas. J'ai pensé, peut-être qu'on devrait aller récupérer le reste. Oh la vache. Ouais, cool. Ah, on a encore tout ça à cuire, c'est vrai. Ah ouais, quand même. J'avais oublié. Parce que dans ma tête, on avait ça. Je me suis dit, oui, bon, on a quand même pas mal de calories. Mais j'avais oublié qu'on a encore tout ça à cuire. Mouais. Ah ouais, peut-être pas. Est-ce qu'il fait froid? Ouais, il fait froid. Je crois que j'avais dit qu'on allait faire les bottes. Je crois bien avec le cerf parce que ça devrait être séché maintenant les peaux. Donc je pense qu'on va faire un combo. On va faire ça et on va faire un feu et de l'eau parce que de l'eau on n'en a pas. Enfin on n'en a pas, on n'en a quasiment plus. Et du coup on va aussi cuire. On va aussi cuire les viandes qui nous restent. Mais je crois qu'on va faire de l'eau d'abord en premier. Je pense que c'est l'eau qui nous manque surtout. Enfin oui, c'est pas je pense, c'est oui. Donc je pense qu'on va faire d'abord de l'eau et après on verra si on a le temps. On va juste faire un petit tour vite fait pour voir s'il n'y a pas des plumes de ce côté-là. Et voilà. Avec le cadavre de l'ours. Peut-être récupérer quelques morceaux de bois au passage. Mais je crois qu'on avait quasiment tout récupéré ici. Ouais, il n'y a que des gros morceaux. Faudrait faire une chose aussi, c'est comme j'ai dit, chasser un peu plus de loups, de choses comme ça pour avoir les... Pour avoir... Ouais, non. Non, on n'a pas de chance avec... À moins que les plumes tombent dessus, là sur les rochers, mais ça m'étonnerait. De toute façon, on peut pas y aller. Oh la vache! Oups! Non, on va rentrer. Donc, ouais, aujourd'hui ça va être une journée tranquille. On va pas faire grand chose. Bon, évidemment, au bout d'un moment, je vais m'ennuyer, donc je vais sûrement sortir et aller chasser, mais. Mais ouais, je voudrais finir les bottes. Donc on va faire de l'eau, c'est-à-dire que l'eau c'est à chaque fois 2 heures. Donc ça va être bien. C'est vrai que... J'en ai pas parlé, mais ça c'est bien de faire un combo, vu qu'à chaque fois il faut attendre 2 heures pour faire fondre... Avec un faitout évidemment. Pour faire fondre la neige, puis après la faire bouillir. Du coup vous avez à chaque fois 2 heures de craft. Donc c'est ce qu'on va faire. Et là du coup on n'a pas vraiment besoin de faire de l'eau à l'extérieur, vu que...
Là, on n'a pas besoin de faire le feu à l'extérieur, vu qu'on va être à l'intérieur de toute façon pour crafter. Donc on va faire ça. Faut qu'on regarde la map aussi, vite fait. C'est assez sombre, aujourd'hui, le temps. Faut qu'on regarde la map, vite fait. Je sais pas vraiment où trop aller. Là, on a la carcasse du loup. On avait récupéré sa peau. J'ai toujours dans l'optique de passer un peu de temps à la cabane et essayer de chasser ici, voir ce qu'on peut trouver, peut-être encore des lapins et tout ça pour de l'expérience facile, des boyaux faciles et tout ça. Et au mieux, ça serait de récupérer de la peau de loup, voilà. Ouais, je pense que c'est ça le mieux. Donc, comme j'ai dit... botte de cerf, oui, c'est ça. Alors, 2 et 4, ça marche. 1, 2, 3 et 4. Ok, c'est bon. Hop, hop. Hop, hop. Très bien. Attendez, on fait d'abord le feu. J'espère qu'on a du bois. Je me rappelle plus si on a... Oui, on a du bois. J'avais tapé un arbre. Oui, on a tout ça. Très bien. Très bien. Par contre, on a un temps de merde à l'extérieur. Donc, du coup, on va pas pouvoir utiliser la loupe. Donc, on a deux accélérants. Est-ce qu'on les utilise? Non. Non, les accélérants, on peut... n'est pas vraiment obligé de les utiliser. On va faire ça. Joup. Ah, très bien. Et voilà. donc oui, aujourd'hui, ça va être tranquille. À chaque fois, j'ai dû le dire souvent. Super. J'ai dû le dire souvent en parlant de couper les vidéos. Par contre, la torche est quasiment éteinte, ça c'est pas bon signe. Si jamais il se passe pas grand chose. Mais au final, la façon dont on joue, c'est vrai qu'il se passe toujours pas mal de choses en fait. Il y a toujours de la chasse, il y a toujours de l'aventure, il y a toujours quelque chose. Ah, donc au final, oui, ça servirait pas à grand chose de couper les morceaux, je pense. On a 6 heures de feu. Non, c'est pas ça que je voulais faire. 6 heures. Non, toujours pas. Ouh, qu'est-ce que j'ai? Je suis engourdi aujourd'hui. Ok, 50 minutes. Ouais, ça va faire à peu près 2 heures. Ce qui est bien aussi, c'est que si vous êtes pendant la nuit, du coup, il faut de la lumière hein, pour... oh putain, ça va être 12 heures. Ah ouais, quand même, c'est beaucoup. Ah oui, attends, t'es marrant. Je vois pas le temps qui passe. Ah oui, du coup, ça nous fout dans la merde. Non, on a perdu l'eau. Oh, c'est tout con leur système. Waouh. Ah bah voilà le problème. On a perdu au moins 4 heures de feu pour rien, pour strictement rien. Wow, comment c'est con leur système de pas pouvoir choisir le temps qu'on passe. Attends, c'est moi qui suis fou. T'es sérieux, on va devoir faire comme ça? Non. Non, c'est moi qui fais un truc mal parce que là c'est complètement un retour en arrière. Bouillie dans 32 minutes.
Waouh, ok. Bon bah. Faut que j'écoute en fait, mais ça passe tellement vite le temps. Le temps que j'entends de l'eau qui boue, j'ai pas le temps d'arrêter en fait. Parce que le temps, c'est sûrement décalé quoi, le son. Quelle merde. Quelle merde. Bon, on va faire attention. On va faire un peu attention. Enfin bref. Donc je disais, si jamais il fait nuit, ce qui est sympa aussi ici, c'est que, bon du coup, vous pouvez pas utiliser l'établi s'il fait nuit, parce qu'il n'y a pas de lumière, on est d'accord. Mais si vous allumez le feu en haut, ben, ça va éclairer l'établi. Donc ça aussi, c'est encore un petit truc à savoir. C'est un peu comme le coup de faire du feu avec le... Avec la loupe dans les trucs de pêche. Okay. C'est tellement con de le faire comme ça. Mon dieu, c'était beaucoup mieux avant. Parce qu'avant, tu pouvais vraiment choisir le temps que tu voulais mettre en fait dans le craft. Là, c'est... Waouh! Encore une fois, c'est peut-être moi qui fais quelque chose de mauvais, mais non, c'était pas comme ça avant. J'en avais déjà parlé la dernière fois, je crois. Enfin, il y a peut-être il y a deux épisodes, un truc comme ça, où on pouvait pas choisir. J'étais un peu surpris de pas choisir le temps, en fait, qu'on passait à crafter et on pouvait faire retour. Mais bon, là, oui, vu qu'on veut être précis avec le temps... par contre, ça nous fait mal hein, pour le mal de l'enfermement. Donc il va falloir quand même passer du temps à l'extérieur pour faire des choses. Il reste encore 50 minutes. Je veux pas utiliser en fait ce feu là, ce bois là pardon, je veux pas l'utiliser. Ok, très bien, on a fini. On a eu de la chance, on a eu une aurore boréale. Par contre... Ah non, c'est le risque d'entrée. Ah, parfait. Parfait. Ah, ça m'embête, là, parce que là, on a quand même balancé, je crois... On a perdu au moins 3 morceaux de... 3 morceaux de bois qu'on avait coupé à la hache quoi, c'est pas vraiment les trucs les choses que vous récupérez comme ça quoi. Mais enfin bref, c'est fait, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Maintenant on a des nouvelles bottes. Donc ça c'est très bien. La prochaine partie de vêtements qu'on va faire, ce que je voudrais faire c'est le manteau de loup, mais il faut encore quand même 3 loups. Ou alors on trouve un autre ours, mais ça m'étonnerait. Donc ouais non, du coup ça serait peut-être le... Bah, quoique non, on a 3 pots. Oui, en pot on a quoi? On a juste un loup, un ours et après on a encore quelques lapins et c'est tout. Donc au final... par contre, on peut peut-être faire une flèche, non? Pas une flèche. Ah, très bien.
Fais voir un peu le skill. Genre là, quoi. Non, ça va, c'est bien. Ça avance bien. Est-ce qu'on peut faire une autre flèche? Ça nous en fait quoi? 7, je crois. Ouais, 7. Très bien. Les pecs. Ouais, non, si, on devrait dormir. Non, on devrait dormir, comme ça on se réveille la journée. On a des fûts de flèches ou pas? Ok, non, on en a pas, donc c'est bien. Quand on descendra en dessous des 50%, on va penser à créer un autre arc, comme ça on sera pas pris à court. C'est quoi, il est minuit? Et minuit, on va... On va... J'aime beaucoup l'ambiance à chaque fois. On va prendre ça, on va manger et on va dormir. Ouais, on va faire ça. Et après, on va se balader. Enfin, on va se balader dans la journée si jamais... on a le temps. Enfin, si on a un beau temps. Et on va faire... On va aller dans la forêt. On va aller dans la forêt. Et après, on fera des fûts de flèches. Ah, peut-être qu'on devrait prendre les... Genre un deuxième morceau de bois sur nous. Comme ça, quand on sera dans la... dans la cabane du trappeur, là, on aura quelque chose à faire si jamais on est bloqué par le temps. Vous voyez ce que je veux dire? Histoire d'avoir quelque chose à faire. Non, par contre, faut... poser l'eau. On va toujours mettre 12 heures et puis voilà. De toute façon, en théorie, elle devrait se réveiller avant les 12 heures. Ouais, voilà. Ah, très bien, on est en pleine forme. On est presque full vie, ce qui est bien. C'est plutôt, plutôt cool. Très bien. On a 4 litres ici. On va en déposer 6. Je crois que j'avais vu un commentaire dans ma dernière saison. C'était un peu étrange. Des fois, il y a des commentaires, c'est un peu étrange. Faites un... J'ai pas envie de faire l'élève. Pas l'élève, le professeur, mais... Essayez d'être un peu plus précis des fois. Il y a des gens, je voudrais bien leur répondre, mais je comprenne pas ce qu'ils veulent dire. Je me rappelle, c'était... le commentaire, c'était du genre... pourquoi il fait de l'eau? Pourquoi il fait autant d'eau, je crois que c'était... Enfin, je l'ai déjà expliqué 3000 fois. Enfin, je comprends pas, en fait, le but de cette question. Genre, pourquoi je fais autant d'eau? Parce qu'on a besoin de boire et c'est le plus important en fait dans le jeu, c'est de boire, comme j'avais expliqué, on perd plus de vie si on est assoiffé que si on est affamé. Donc du coup faire de l'eau c'est essentiel. Et surtout que l'eau ne dépérit pas, donc on peut en faire des grandes réserves. Comme ça on n'a plus besoin d'en faire. Il fait froid, sinon j'aurais cassé ça, mais il fait froid. Ah, mais voilà, des fois il y a des commentaires un peu étranges. Qui sont pas méchants, rien du tout, attention. Hein. Je dis pas ça, mais que je comprends pas vraiment au final. Mais voilà. Donc, ouais, on va encore se balader dans la forêt. On va voir un peu comment ça se passe. On va récupérer un peu de bois. On va essayer de trouver des loups. C'est à peu près tout. Je crois qu'on avait laissé de la nourriture à la cabane du trappeur. Donc à la limite, on peut rester une ou deux nuits là-bas. Si jamais... On va aller là, parce que je sais même pas si j'y suis allé en fait. Cette maison cassée là. À chaque fois qu'on y va, il y a toujours un loup et on a toujours des choses à faire. Donc au final, j'y vais jamais à l'intérieur. Peut-être que j'y suis jamais allé au final.
On va voir ça. Faire attention au détour. Ouais, on n'y est jamais allé. On n'y est jamais allé. Fabrication de munitions, ça c'est un nouveau livre. Prendre le charbon, non. Quoique, pourquoi pas. Pardon, il fait froid. On va récupérer ça. Ok. Fausse alerte! Il y a des champignons là, je vois des champignons. Oh, lapin, 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 lapin. Lapin et cerf. Bien joué. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le cerf maintenant. Je sais pas trop. Je sais pas. C'est parce qu'en fait il fait froid donc. Bon, après on a quand même pas mal de bois. Peut-être qu'on peut faire un feu. Il fait combien? Moins 11. Il faudrait faire un feu quand même pas mal. Pour se réchauffer. Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Il n'y a pas de vent, rien. Non, ça peut, on va le faire. On veut surtout récupérer la peau. En plus, on a un faitout. On peut faire de l'eau en même temps. Il est parti où, ce con? Oh non, faut qu'il retombe. Il faut qu'il revienne sur du plat. Sinon, on va pas pouvoir faire le feu. On va pouvoir le pousser sur par la droite. Wow, une flèche. Wow. Ok. Non, d'abord la torche. Faire le feu là. Ça a l'air d'être plus ou moins protégé. Vous avez vu le coup de la flèche? Alors je sais. Je sais pas si ça a vraiment touché la tête. Je sais pas, vous me direz si vous pensez que ça a touché la tête. Mais voilà, le coup d'augmenter les dégâts des flèches. Et on va utiliser un accélérant si ça continue. Et après plus tard, donc niveau 3, 4 je crois, c'est niveau de saignement. Donc si jamais ça tue pas, ça saigne très vite. Ça devient extrêmement puissant en fait. Ça devient vraiment vraiment puissant. Et beaucoup plus... pour moi je trouve, beaucoup plus intéressant qu'une arme à feu. On va devoir mettre tout le bois parce que il faut que les degrés augmentent. Il faut au moins moins 11. Voilà, très bien. On va d'abord faire le lapin, comme ça on a quelque chose à mettre sur le feu. On va utiliser le couteau. Minutes.
Faut qu'on aille récupérer un peu de feu, de bois. Ah, très bien. Pour le moment, on le dépose. Ah, il fait pas très froid. C'est pas mal, c'est pas mal. On n'a pas récupéré la peau, je sais, hein, mais... Il y a déjà les corbeaux, ouais, déjà les corbeaux. On récupère un peu plus de bois. Vous voyez, normalement, il faudrait faire ça souvent, en fait, le coup de... d'abattre quelque chose, faire du feu à côté pour le cuire directement, ou éviter que ça gèle. Alors, faudrait le faire souvent, mais c'est tellement dangereux, en fait, en intrus, parce que le vent peut se lever... Et tout, c'est pour ça que je le fais quasiment jamais. Mais ça rend la chose extrêmement simple. Enfin, extrêmement simple. Là, on va pouvoir cuire la viande directement. On va pouvoir prendre la peau, les boyaux, sans avoir froid. C'est tout con, sans avoir froid. Un truc qu'on va faire, on va regarder combien de temps ça met pour cuire la viande. Et on va couper ça. Il fait pas extrêmement froid, donc honnêtement, on est pas mal là. On est vraiment bien. Et on va pouvoir faire durer le feu longtemps. Et du coup, on reste dehors longtemps. Et c'est bien ça. Et c'est vraiment bien. Euh, 30 minutes. Ça nous fait un boyau de fée déjà. Ah oui, le con, j'ai pas... 50 minutes. J'ai pas pris de deuxième steak. À la main, très bien. Comme ça, la peau c'est fait. Comme ça, si jamais on a des problèmes, on peut partir. Deux heures, ça c'est bien, ça c'est fait. On va faire ça. On a un brouillard. Je suis pas super fan du brouillard. Ça. Ok, alors 1h40. Je suis pas méga fan du brouillard là. Parce que je me rappelle plus vraiment dans quel sens il faut partir. Je crois que c'est par là. Mais ouais, je suis pas méga sûr. D'abord, on va regarder le gros. Ça fait beaucoup, 1h18, non? Ouais, on est bon. La viande va être cuite. Ah, le feu est toujours là, ça va. Il va faire nuit, on va devoir rentrer. Ça, il fait pas froid. Honnêtement, on a de la chance avec le temps. Oh, merde.
Ah, le con. On a perdu 2 kilos de viande. Quel con. Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas le fait tout, il n'y a pas l'effet tout, donc c'est 50 minutes pour cuire et après ça doit être quoi, 20 minutes avant de brûler, un truc comme ça. Je crois que c'est à cause de ça. Ah merde, putain, quel idiot. Je suis pas content. Hein? Je suis pas content. Ouais, c'est 20 minutes, c'est pour ça. Parce qu'il n'y a pas l'effet tout. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Je crois que ça va être le moment où on va partir. On va garder ce qu'on a sur nous. Bon, il n'y a plus rien. Le lapin, il y a des trucs encore à collecter. Ouais, on a fait toute la viande, on a fait les boyaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Ah, très bien. Voilà. Comme ça, on perd pas le temps. Ramasser, on a encore des braises donc c'est encore chaud. Ok, le temps s'améliore. Oh, très bien, allez, on se casse. On se casse, c'est bon, on y va. Alors, si elle pose, elle pose quoi? Elle pose les boyaux en premier, très bien. On a la peau, hein, je vérifie, je double vérifie. Ah, yes, on a un peu de serre. Ah bah. Belle petite sortie. Bon, on a perdu 2 kilos de viande, ça c'est casse-couille quand même. Vraiment chiant, mais bon. Belle petite sortie. Tranquille. Tranquille, tranquille. On n'a pas eu de mauvaise surprise, rien. Elle est même pas fatiguée, honnêtement. On est encore à plus de 50%. Donc on peut... Ah oui, après là, je... Oui, c'est par là-bas. Donc on peut encore continuer. On va prendre les... On peut sprinter, ouais. On va prendre les champignons et on va partir. On va rentrer. Parce qu'on a beaucoup de... De boyaux sur nous. Donc les loups vont nous renifler de loin. Donc ça, ça peut vite tourner un problème. Ouais, le temps est pas trop pourri non plus, c'est bien. Vous voyez, c'est pour ça aussi que... Parce que là, on est au quoi? Au jour 25, un truc comme ça. En intrus, ça devient de plus en plus difficile, en fait, à sortir. Parce que... Excusez-moi. Parce qu'il fait de plus en plus froid. Il y a même un moment où des fois c'était mieux de sortir la nuit que la journée. Parce que la journée j'avais des tempêtes quasiment tout le temps. Et c'était du moins 30, moins 40, moins 50. C'était un peu débile. Et du coup ça devient extrêmement chiant de sortir. Le fait de pouvoir, on va dire dans un sens, rusher un peu les... On est à combien de kilos ? Rusher un peu les outils, ça nous permet de pouvoir récupérer l'arc, chasser, etc. Et du coup, pour nous, le but, en fait, c'est surtout de faire des vêtements. Parce que ce sont des vêtements extrêmement chauds, donc... vu que le temps est pas trop pourri et pas trop froid, et le fait de pouvoir crafter des vêtements chauds très vite,
Ça aide énormément pour les balades. Ça aide énormément. Vous voyez, là, on a pas froid. On doit quoi? Moins 1, moins 2. Ouais, moins 2. C'est tout. Donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Surtout en intrus. Là, on va être bon encore pendant quelques jours, quand même. Donc c'est plutôt cool. On va pouvoir faire des... Attendez, parce que là, on voit pas. On va pouvoir faire des petites réserves et tout ça, tranquille. J'ai envie de continuer ma sortie. Je sais pas où on va aller. On pourrait prendre un ou deux steaks et partir vers la cabane du trappeur, à la limite. Comme on avait dit. Ouais, comme on avait dit, on peut faire ça. On peut faire ça. Parce qu'on a de l'eau, on a énormément de nourriture. On a assez de nourriture pour vivre à deux emplacements, en fait. Donc, c'est vraiment bien. C'est vraiment, vraiment bien. Par contre, j'ai un peu peur du temps. Enfin, il va peut-être faire... on va peut-être pas voir grand-chose. On a encore l'ours aussi à manger. Alors. Voilà, ça c'est les boyaux. On va mettre la peau ici. Très bien. On a fait tout en plus. Oh non. On va le mettre là. On a la flèche à recycler. Voilà. On a un livre, on va le déposer. Alors je sais que c'est la nuit, mais... On va faire ça. Technique de flotte, putain, je vois rien. Je sais pas où je suis en train de le mettre. Voilà. 4 litres. 4 litres. Il nous reste 3 litres du coup. Ouais, ça va, c'est bien. tac, tac, tac. Ça, recycler. Je pense qu'on va ressortir, ouais, et aller vers la cabane du trappeur. On va prendre 2 steaks. Alors, je sais pas si on va manger un steak maintenant. Ah oui, il y a la peau du lapin aussi. Genre, manger un steak d'ours pour avoir 1000 calories, en fait, dans le ventre. Et après, on prend 2 steaks de cerf sur nous. Je pense qu'on va faire ça. On a du bois de cèdre. On va le déposer. Très bien. 24 kilos, c'est très bien. C'est très bien. Ouais, je crois qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Voilà. Même là, il fait pas froid. Même là. du coup, on a pris combien de niveaux? On est à... Ouais, ça va. Ah, maintenant, ça prend un peu de temps pour monter. Ça prend un tout petit peu de temps. On avait vu plusieurs cerfs dans la forêt. Faudrait qu'on aille récupérer des cerfs. Encore. 1h30. Fait pas froid. Fait pas froid, donc on en profite. Par contre, on voit pas grand chose. Hmm.
Quel chemin on prend? On prend le chemin coupé comme ça, ou alors on fait angle droit là? Genre tout droit, puis après on directement à droite. Vu qu'on voit rien, je suis pas méga confiant non plus. Pas ultra confiant. Après, on a les deux gibiers pour les deux morceaux de viande pour appât, mais bon, c'est des morceaux de viande qui sont à 800 calories. J'ai pas vraiment envie que un con de loup nous les bouffe. Quoi. Est-ce qu'on peut couper par là sans problème? J'aime pas le fait que le point se mette quand on sort l'arc. Je trouve ça vraiment inutile, surtout qu'il n'y a pas de curseur vraiment quand on vise. Donc je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Direct. Je vois rien. Enfin, on voit pas très loin. Quoi. Ouais, je voudrais vraiment pas tomber sur un lit. Je crois qu'on va rentrer à la cabane et on va dormir direct. Ouh, yes! Ça oui, ça par contre c'est cool. Je vais pas le cacher, je voulais aussi qu'on tombe sur ça. Sur les écorces. Ça va, on y est presque. On devrait pas tomber sur grand chose normalement. Ce chemin là est plus ou moins safe. Ah donc ouais, après on va continuer vers le haut de la cabane. Enfin vous verrez. Et on va chasser un peu plus. Je crois aussi qu'on avait une peau de lapin à la cabane. On va peut-être la récupérer aussi quand on rentre. Et après Muskeg Morn, je sais que j'avais parlé de l'élan. On va peut-être le faire. Mais ouais, je sais pas. C'était mes pas ou... Non oui, c'était mes pas. J'avais parlé de l'élan. Honnêtement, oui, c'est vrai que ce serait vraiment cool de récupérer l'élan maintenant. Mais il est vraiment dans un endroit pourri, en fait, l'élan. Et surtout qu'il est entouré de loups aussi. Donc... je préférerais trouver un élan autre part, honnêtement. Je crois que... Sur toutes les grandes maps, il y a... Il y a un élan et un ours. Ils ont différents emplacements. Je sais que j'en avais trouvé un une fois près du... Il y a un lapin. Ah, on va dormir. Quoique. J'en avais trouvé un près de la station. Près du barrage. Ça demain. Près du barrage Carter, un élan. Il y a au moins deux saisons de ça. Donc
Là, on a deux. Et ah oui, on a après du lapin cru aussi à cuire. D'accord, on a pas mal de trucs. Donc c'est possible qu'on puisse en trouver un. C'est possible qu'on puisse en trouver un ici. Et je préférais le combattre ici et... Ah, ça serait beaucoup plus simple en fait. Oh, on a quasiment bouffé toutes nos calories déjà. Oh la vache! Ça servait à rien en fait de prendre le steak. Ah ouais, non, c'est vraiment inutile hein, de prendre les calories hein, si on dort pas. Hein. Sauf si on en a énormément, mais vous voyez que là on a quasiment brûlé les 1000. Ça servait à rien. Ça servait strictement à rien. D'abord, on va boire. Est-ce qu'on récupère, on va récupérer la vie, là. Donc ça servait vraiment pas à grand-chose. Ah, on est en pleine forme. Ah, très bien. Ah, j'aime pas ce temps-là. Regardez-moi toute cette neige. Oh, on voit quasiment rien. Il fait froid en plus. Je vois pas de lapin. Ouais, on va attendre qu'il fasse jour. À chaque fois qu'on arrive ici, on a toujours... Genre on peut jamais rester autour de la cabane, il y a toujours quelque chose. La dernière fois c'était parce qu'il y avait l'ours. Maintenant on a un temps tout pourri, donc c'est vraiment... C'est vraiment embêtant tout ça. On va attendre qu'il fasse un peu plus jeune. Peut-être qu'on peut faire la... le fût de flèche. Non, j'ai pris le... Bah non. Mince. Bah, j'ai pas un bout... C'est quoi ça? Oh, le séchage, il est pas... il est pas terminé. Oh, le con. Ah, par contre, faut faire des bandages. Le con, le séchage, il était pas terminé. C'est pour ça que je me disais, qu'est-ce qui se passe? Oh... Quel idiot, c'est pas grave. Ce n'est point grave. Alors ça tient. S'il fait un temps comme ça là, honnêtement ça sert à rien de chasser quoi. Ça sert à rien d'être là en fait. Chasser le gros gibier, je parle. Ouais, les lapins ils sont plus là, c'est cool. Il fait froid. En fait, ce temps, cette vue-là, j'ai du mal à me concentrer en fait sur les choses que je dois regarder. Genre s'il y a des loups, s'il y a des trucs qui bougent et tout ça. Tout ce que je vois, c'est la neige qui bouge en fait. Très très embêtant. Ah, il fait vraiment froid aussi. Elle arrête pas de parler. Gotta warm up some.
Il est là, il est juste là. Ok. Je range l'arc quand on prend des objets par terre, parce que si jamais on loupe l'objet, en fait, elle va tendre l'arc, etc., etc. C'est bon, tu nous suis? Ok. Genre, il faut faire attention, quoi. Il est où? Ok, il est là. Par où il passe? Il fait tout le tour? Il va être là ou la gauche? Il est là. Ah merde! Très mal joué. Ah quel con. Elle est où la flèche? Très mal joué. On a perdu quelques pourcentages sur des vêtements. Très mal joué, on a perdu beaucoup de vie en plus. J'aurais pas dû faire... Je sais pas pourquoi j'ai pas joué avec les cailloux là comme d'habitude. J'ai voulu faire autre chose et... Ça a pas marché. En plus on a froid. Vraiment con de ma part. Par contre, on l'a blessé, il risque de mourir de saignement. Je pense qu'on devrait rentrer. Ce serait plus safe. Can you eat trees? Il est où? Il est où cet idiot? Oh, tombe pas. C'est un cadavre ça? On va rentrer. Ah, très... Je suis bloqué. Très mal joué. Je sais pas, j'ai voulu... Je sais pas, honnêtement, j'ai voulu tenter, hein. Genre en ligne droite, là, et l'attraper en ligne droite, et puis, puis au final, j'ai mal tiré. Et le temps de prendre la porte aussi, ça a pas marché. Alors que si on aurait fait comme d'habitude, si on avait fait comme d'habitude avec les montées sur les cailloux et tout ça au lieu de vouloir utiliser la porte, on l'avait, hein. On l'avait tranquille, hein, le truc. Vraiment con de ma part. C'est des lapins ça ou c'est des cailloux? C'est pas grave. On va rentrer, on va essayer de dormir, récupérer un peu de vie. Enfin, déjà le froid. C'est quoi ça, une pierre? Vraiment bête, vraiment très bête.
C'est vraiment très très bête. Faut qu'on rafistole quelques vêtements aussi. Il y a ça, il y a ça. Ah, on fait voir les vêtements. On va réparer ça. I'm so hungry. Ça. Parce que le truc, c'est qu'il faut quand même, même si des vêtements, on les utilise pas trop. Enfin, on va les changer au bout d'un moment. Faut quand même les ne pas les abîmer parce qu'on a que ça. Ah, ça le problème, c'est d'avoir que ça en fait. Ah, il nous faut du tissu. Voilà. Échec, très bien. Échec, très bien. On est en pleine journée. Il n'y a pas de tissu là. Non, il n'y a pas de tissu. Est-ce qu'on a une tisane sur nous? Non, on n'a pas de tisane sur nous. Parce que sinon, on aurait pu récupérer de la vie plus vite. Ouais, on aurait pu faire ça. C'est pas grave. On va déjà poser tout le bois qu'on a. C'est pas grave, on reste concentré, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas... C'est baisse qui vient de se passer, c'est du temps perdu parce que voilà, c'est un peu des ressources perdues aussi. Mais bon, ah, c'est comme ça. On va dormir le plus possible. On va faire un tour, on va essayer de regarder si on trouve pas le loup. On n'a pas dit notre dernier mot. Par contre, elle est pas fatiguée, ça c'est embêtant. Waouh, ok, bon bah. On va pas le trouver là. Je regarde s'il n'y a pas des lapins. Il fait pas ah, il fait pas froid par contre. Ok. On va sprinter un peu pour la fatiguer. Ça, on peut le casser. Non, très bien. C'est quoi ça? Oh, c'est un bout de bois. J'ai jamais été aussi hungry in my life. On va d'abord regarder le si on trouve un loup, et si jamais on trouve pas de loup, on va couper du bois. Parce que là, vu qu'il fait pas froid, faut en profiter. Par contre, je voudrais pas trop me perdre avec la cabanette de ce côté-là. On va aller là, on va descendre. On va se mettre sur les rochers comme d'habitude. On va d'abord boire un peu aussi. Non, pas trop. Ah, le brouillard s'estompe, je crois. Je vois rien qui bouge. Là-bas, pas mal, pas mal. On va faire le cerf. Pas de corbeau nulle part. I need to find food. Ah, shit.
tu veux, genre, ne pas parler. Ouais, ce serait vraiment bien. Quand je suis concentré comme ça. On va monter, on va voir ce qu'on peut trouver. Vu qu'on n'a pas froid, on va faire le cerf. Ah, c'est vrai qu'il y a cette partie-là aussi. Avec le lac, ça, c'est un lac, ça. Oh, il y a une cabane. Et j'entends... Oh, c'est un cerf devant. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est pour ça que je voulais me balader ici. Le cerf a eu peur. Je voudrais voir ce qu'il y a avant de chasser. En théorie, s'il y a pas de, s'il y a des cerfs, il n'y a pas de loup. Sûrement des massettes. Ah oui, c'est en fait c'est le long de la rivière. Ça c'est fait. Oh la vache. Il se retrouve là. Ah, il y a ça qui nous a senti aussi. Ok, là on est dans la merde par contre. Ah, ils peuvent pas... Ils peuvent pas nous attraper, mais... on a le cul entre le marteau et l'enclume, quoi. Là, on pourrait lui mettre une flèche. On pourrait tellement lui mettre une flèche pendant qu'il vient. Là, l'ours aussi, on pourrait le faire, mais... On n'a que 4 flèches. Bon, on va en profiter, c'est un truc de chasse. En pleine tête. D'abord, il est ça. Par contre, ce qui m'embête, c'est qu'on a les lapins. Ce qui m'embête, c'est qu'on a les lapins. C'est quoi ça? Ça, c'est des cerfs. Et le lapin... Ça va faire venir les loups. Quand on est à exposé comme ça, faut sprinter vers des cailloux et enfin des rochers, comme ça vous faites ce que je fais comme d'habitude. Le fait de monter, descendre. Je vais aller par là-bas, mais il faudrait bien trouver cette trace en fait. Quoi ça? Un cadavre. Je veux pas dire, mais on lui a mis une belle flèche dans la tête. Hein. Après, on peut déposer. Oh, c'est le loup qu'on avait.
Je crois que c'est le loup qui avait piqué notre flèche. Non ? Je vois pas de flèche, par contre. Bon, je voudrais bien dessiner, mais on a un ours à poursuivre. Ah merde! Faut qu'on se rappelle de lui. C'est super dangereux aussi de chasser pendant qu'on est bas en vie. Là, si le truc nous chope, on est mort. Hein, je vous le rappelle. Mais bon, vu que on avait une belle opportunité de tirer, j'avais dans l'espoir qu'il... Et puis il fait beau, quoi, qu'il fait pas froid. J'avais dans l'espoir qu'il fuit pas, mais bon, c'est un peu con. Évidemment qu'il va fuir. Enfin, je sais pas, si vous prenez une flèche dans la tête, vous faites quoi? Vous fuyez ou pas? Ou vous combattez? Oh, il est là. Ok, il revient. On va devoir attendre là. Est-ce qu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'endroit. Ah, il est mort! Vous avez vu? Je vous l'avais pas dit, le coup de la flèche. Que les trucs meurent au bout d'un moment. Quand ça fait beaucoup de dégâts et quand il y a le saignement et tout. Ah, magique. Magique. Parfait. Ah, on est à côté de la... des rails. Je vous l'avais pas dit, ça? Putain, on est pas loin, en plus. Ok. Alors déjà, je voudrais... On va faire ça. Ok. On a un peu récupéré de vie avec le coup de boire des tisanes. Par contre, j'ai envie d'aller dessiner pour le loup, mais j'ai peur que... qu'il y ait quelque chose qui nous attende, en fait. Parce qu'on a toujours les lapins sur nous. Ce serait vraiment con de mourir maintenant. Je suis en train de me dire, à la limite, c'est pas grave. Il y a plein de loups partout, c'est pas grave. J'ai pas envie de le tenter, d'aller là-bas, de dessiner. On va faire un feu là, à côté de l'ours. Parce qu'il fait pas extrêmement froid, donc on peut faire le feu. Elle est pas extrêmement fatiguée, on récupère la peau, on va faire cuire quelques morceaux de viande. On a les lapins à dépecer, j'ai pas trop envie de me balader avec les lapins. Ah, 10% gelé. On va mettre les feux là, comme ça il y a un peu l'arbre qui protège. On a plein de bois normalement. Ouais, on a 6. Allumette. Et on a récupéré un Fire Steel. Fire Steel, ce sont des objets là que... en métal, et il y a du... c'est quoi, du graphite? Je sais plus. Vous le claquez, le tapez... je sais plus si on le tape ou on fait tourner un mécanisme à l'intérieur, ça fait des étincelles, ça fait du feu. Donc voilà. Normalement, c'est assez près. Oui, ça va. Enfin, je crois. Oui, 6% gelé, oui, ça va, le dégel. D'abord, on va s'occuper des lapins, parce que c'est vrai que ça, c'est un peu chiant.
je veux déjà récupérer la viande, comme ça on la fait cuire et on va déposer les lapins par terre, comme ça ils nous sentiront pas. Alors il y a... Amélioration d'état. Il y a un truc bête. Maintenant en fait on sent plus. Donc les loups ne vont plus nous sentir. On peut le faire là, voilà. Ne vont plus nous sentir. Mais on les a déposés par terre. Alors que en théorie, si c'est par terre, bah ils devraient sentir la viande par terre, vous voyez ce que je veux dire. Mais au final ils vont pas le faire. C'est seulement si on le. Si c'est sur nous. C'est marrant hein, dans un sens. On va manger par contre, parce que j'ai pas envie de perdre trop de vie non plus. Pas beaucoup. J'ai bien envie de prendre la deuxième tisane, juste pour être un peu sûr en fait. Pour pas qu'on ait trop de surprises, qu'on soit trop dans la merde. On va mettre un faitout. On a un faitout sur nous, non? Ou on l'a déposé? Ah non, je l'ai déposé, c'est ça. Ouais, je l'ai déposé. C'est pas grave. On va recycler ça. On va couper des morceaux de steak. Les rails sont où? Là-bas. Donc on n'est pas extrêmement loin de chez nous. 4 heures et on a un bon feu. Donc si jamais on a un problème avec 45 minutes. Si jamais on a un problème avec comment ça s'appelle? Un loup, on lui balance des torches, on lui balance des flèches. En théorie, on devrait être bon. Ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme système. Qu'est-ce qu'on fait? Les lapins, on peut les récupérer avec nous. C'est pas besoin de le faire maintenant. 30 minutes. La viande. On va prendre un steak. Le vent se lève, ça c'est mauvais signe. Je pense qu'on va avoir un problème. Bon, on a la peau. On a la peau. Oh mon dieu, j'arrive à récupérer tout sauf la viande. On a les plus importants. Le plus important, c'est la peau. Le reste, on s'en fout. En fait. Donc, si jamais il fait froid... On est bon, on est tranquille, tout va bien. Okay. Si jamais il fait froid, on a récupéré pas mal de vie. Vous voyez quand même avec les, avec l'amélioration de l'état là, on récupère quand même un bon morceau de vie. On était quoi là à peu près, donc on a bien fait de faire ça. Est-ce qu'on récupère plus de boyaux? Non. Je pense pas qu'on va en avoir besoin. 20 minutes celui-là? Pourquoi 20 minutes? Bizarre. Il
Je vais être honnête, je voudrais bien attendre qu'il fasse jour, comme ça on voit mieux. Je vais être honnête. 1h10. Putain, mais c'est des stacks de fou, quoi. 900. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Ah oui, on a des morceaux de bois. Alors c'est un peu bête de les utiliser maintenant pour ça. Mais on a du sapin. Et le sapin est un peu abusé. Je crois que c'est 2 heures à chaque fois. Parce que j'en mets un et on est déjà à 3 heures. C'est un peu abusé le sapin. Les lapins, on les prendra avec nous. On va reprendre un boyau. Vous avez vu, Ben? Une flèche? Une seule flèche? C'est pas beau? Ah oui, quel con, j'ai pas coupé. Encore une fois, j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire je n'ai pas coupé de steak en avance, c'est bien. On va prendre le couteau. Je crois qu'on va en manger, hein. Pour éviter de perdre trop de vie. Ah, très bien. Il va bientôt faire jour. Je crois qu'on va attendre qu'il fasse jour. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas trop confiance en fait. J'ai pas vraiment envie de me balader comme ça. Vous voyez, on récupère un peu de vie. Je crois qu'on a... Ouais, on a récupéré un peu de vie. Encore 22 minutes. Ça va faire beaucoup de kilos par contre. Ah oui, c'est vrai qu'elle va être fatiguée. Peut-être que... Ouais, on est à 26 max. Ouais, peut-être qu'on devrait partir maintenant en fait. Peut-être. On va partir maintenant. Je crois voir une lumière là-bas. Comme torche. 51. Ok. Vous comprenez pourquoi on part maintenant? C'est parce qu'elle est, elle va être en fait de plus en plus fatiguée, donc du coup, le fait de porter un... beaucoup, ça va nous foutre dans la merde. Elle va être extrêmement lente, on va pas pouvoir sprinter, etc. Donc je préfère partir maintenant. Et honnêtement, si je dis pas de conneries, on est juste à côté. On est juste à côté de chez nous. C'est juste là, non? Waouh. Eh ben. Ce qu'on va faire du coup, bah, ça va être un gros vêtement en ours. C'est abusé, c'est vraiment cool. Tout ça rien qu'avec une seule flèche. C'est quoi ça? Merde. Ah non, ça va, ça insère. Et en plus, en bonus, on a juste un cerf devant nous, quoi, devant chez nous. On pourrait aller l'attaquer, mais non, il fait froid et puis elle est fatiguée surtout. Surtout ça, le problème, c'est qu'elle est fatiguée. Waouh. Alors ça, c'est pas... C'est pas de la chance. Surtout le fait qu'il avance à la petite...
enfin la tour, je sais pas, la cabane de chasse là. C'était pas, c'est juste parfait quoi. C'est juste parfait. Ah putain. C'est magnifique. Honnêtement, c'est magnifique. Ah par contre, faut que je regarde le nombre de calories qu'on a sur nous. On est à 500, faut qu'on mange. Ah, c'est juste parfait, quoi. Oh mon dieu, c'est fou. 900, très bien. Ouais, du coup, on peut rien. Alors, ça. Et la peau de l'ours. On va monter. Je sens que... Je vais être honnête. Je crois qu'on va tomber malade maintenant. Parce que ça se passe bien. Ah oui, on va prendre la tisane aussi. On va prendre la tisane parce que j'aime pas trop être aussi bas en vie. Je crois que ça se passe bien. Et donc du coup, pour contrecarrer mes plans... Alors attendez, il faut que je trouve la porte. Et après à gauche. Pour contrecarrer un peu la balance. Enfin, pour balancer le jeu. Je pense qu'on va être malade. C'est pour ça que je préfère prendre la tisane maintenant. Comme ça, on va récupérer plus de vie. Je sens bien qu'on va être malade. Je sais pas pourquoi, je le sens gros comme une maison. Après, je peux me tromper. Enfin, j'espère que je me trompe, mais... Mais bon, je sais pas. Je le sens arriver. Alors avant ça, on va faire ça. Parce qu'elle est fatiguée, mais pas énormément. Ah, très bien. Ah, du coup, on a un bois à aller récupérer à la cabane, parce que j'ai laissé... On a tout laissé là-bas. On a laissé un bois, on a laissé pas mal de choses. Un bois pour faire les flèches. Faut que je prenne de l'eau aussi. Ah, mais ça devrait suffire. Ah oui, non, c'est vrai que y a ça. Voilà. Yes, on est bon. C'est parti, on dort.